La Minute, Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Harry Connick Jr., le chef de file des néo-crooners, sort un nouvel album hommage à Cole Porter. Dans les années 90, l'Amérique a vu arriver un fabuleux pianiste et chanteur néo-crooner qui reprenait avec un grand orchestre les standards américains et tout le monde a applaudi haut les mains. Puis Harry Connick Jr. a continué à faire des albums tout en faisant du cinéma et des tournées dans le monde. Récemment, il est venu à Paris pour un fabuleux concert autour de la Nouvelle-Orléans dont il est issu. Ses talents de chanteur, musicien, tap dancer ont ébloui les aficionados et les nouvelles générations. Et voici qu'avec son nouvel album Big Band True Love, A Celebration to Cole Porter, Harry Connick Jr. nous rappelle qu'avant Michael Bublé, Lady Gaga ou encore Robbie Williams, il avait lui ouvert la voie à une nouvelle génération de crooners et de crooneuses, renouvelant ce que l'on appelle le répertoire classique populaire américain. Et parmi les créateurs préférés de ce répertoire, il y a l'immense compositeur Cole Porter, qui dans les années 40 composait tous les succès des plus grandes comédies musicales américaines, telles que celles avec Fred Astaire et Ginger Rogers, des chansons intemporelles, des mélodies implacables et une immense finesse qui font de ces titres de véritables standards indémodables. Et ce sont ces succès que reprend avec grand talent notre ami Harry Connick Jr., que nous attendons pour une émission spéciale en novembre et à qui, avant les vacances, dans sa loge, votre serviteur avait eu le plaisir d'offrir une bouteille de French Chardonnay. Et avant de découvrir un extrait de ce nouvel album True Love, eh bien écoutez, on entend Harry Connick Jr. pour Crooner Radio. My target is not the charts, my target is the people. Charts are things. Mon but n'est pas d'être au top 50. Mon but, c'est le public. Le top 50, c'est fait par des gens qui sont assis dans des bureaux. J'aime ceux qui vont au concert, c'est ça mon but.